dure journée au stand de granité? Cette ville est devenue accro au granité. Comme on a fini par être à court de parfums classiques aujourd'hui, j'ai dû en inventer un nouveau. Ok, alors on n'a plus de Shrek citron vert, de Charlotte aux fraises et on n'a plus de Vanille Timberlake. Mais ne vous en faites pas, j'ai un nouveau parfum que vous allez adorer. Le granité classique. C'est juste des glaçons et de l'eau du robinet. J'en ai vendu 7 quand même. Ces hipsters achèteraient n'importe quoi. Tout ce que je veux, c'est m'effondrer dans le canapé, regarder la télé et me remplir du reste des ailes de poulet de chez Poulet Palace. Je suis là, petit poulet poulet. Il n'y en a plus? Dis-moi que c'est une blague! Je les avais même cachés derrière le plat de patates douces de Noël! Tu caches tes restes dans le réfrigérateur de cette maison? Faut que tu les planques sur toi. Un M? Je passe. Depuis que les cours sont finis, Keuf, le petit ami de Rachel, passe tout son temps à la maison. Et dans une famille de 9, la dernière chose qu'on veut, c'est être 10. Quand l'un de vos frères et sœurs fréquente une personne, c'est toute la famille qui doit la supporter. Rachel, c'est à moi de choisir mon programme télé. Je t'ai laissé regarder ce que tu voulais hier soir, donc c'est à moi de choisir. Mais qu'est-ce que t'as fait pour Keuf? Il adore regarder l'homme contre la benne à ordures. C'est la seule chose qui le relaxe. Qui le relaxe? Il n'a même pas de job. L'homme contre la benne à ordures, édition barbecue du Texas. Oh, génial, je l'ai déjà vu. Révélation, Jack Lebouer retrouve un morceau de bœuf dans la tête d'un mannequin. Est-ce que tu viens de jeter un os de poulet dans mon sac à invention? Désolé, il y a pas mal de trucs dedans. J'ai cru que c'était une poubelle. Quoi? Hé hey! Les gars, c'est à moi de choisir le programme. Alors jouez plutôt au roi du silence pendant qu'Harley regarde son émission. Mes enregistrements de la danse des papas ont été effacés? Quoi? Stop! Arrête de hurler. On essaie de se relaxer. On jouait pas au roi du silence il y a 2 minutes? Tu as effacé mon émission pour regarder un type qui fait des fouilles approfondies dans une poubelle. Il fouille et il mange. Jack Lebouer mérite d'être respecté pour ça. Que fait notre invité? Ne sois pas impoli. Ce qui est impoli, c'est de me forcer à regarder quelque chose que personne ne veut voir. Ouais, l'homme contre la belle ordure! C'est exactement ce qu'on avait envie de regarder. Ce garçon est pire qu'un virus. Toute la famille a attrapé la monocufléose. Comme si Rachel, c'était pas suffisant. Maintenant, c'est les jumeaux qui se mettent à l'aimer. T'as l'air de trouver que c'est pas une bonne chose. Mais quand Keuf est là, ils viennent pas m'embêter. Et ça me permet de profiter pleinement de Greta. Je vais transformer toute cette négativité en quelque chose d'utile. Peut-être en finissant mon abreuvoir solaire pour oiseaux. Waouh, ce granité au sirop est trop poisseux. J'imagine que l'homme contre la benne à ordures est fini.